Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo de favoris, mais pas n'importe laquelle, mes favoris de 2017. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 17 produits de 2017 hein, que j'ai aimé et que j'ai chéri tout au long de l'année, ou presque. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Le seul et unique produit pour la peau skincare que j'ai dans cette vidéo entière, c'est le Supermode de chez Glam Glow. C'est un masque que j'ai longtemps désiré me procurer, mais que j'ai toujours été trop cheap pour le faire. C'est extrêmement cher comme masque, je pense qu'il était comme 70$ si je me trompe pas, et puis c'était en rabais avec un autre paquet d'affaires. C'est à peu près dans ces prix-là, mais sans blague, ça vaut vraiment la peine. Fait que c'est un masque que tu appliques sur ton visage, hein, effectivement. Comment je viens le faire, en fait, tu pourrais l'appliquer sur ton visage en entier pour vraiment tout enlever les impuretés, tout enlever, nettoyer la peau vraiment en profondeur, enlever tout ce qu'il y a, l'huile, le sébum, tout le kit. C'est un masque purifiant. Fait qu'il enlève vraiment tout ce qu'il y a à enlever. Par contre, comment je viens de l'utiliser pour vraiment essayer de le conserver le plus longtemps possible, ça va être vraiment spot treatment. Fait que quand j'ai un petit bouton ou quelque chose qui s'en vient, je vais vraiment juste venir le mettre dessus. Ça va sécher relativement vite aussi. Puis ça va vraiment venir assécher le bouton. C'est vraiment pour vrai un de mes chouchous dans ma skincare. Puis c'est un produit duquel je ne me passerai absolument pas. On va commencer avec les primers. J'en ai quand même un petit peu. Le premier duquel je voulais vous parler, c'est mon Smashbox Photo Finish. Celui-là, c'est seulement le travel size. J'ai terminé ma grosse bouteille. Comment je vais venir appliquer ce produit-là, c'est que après avoir appliqué ma crème hydratante, je vais venir le mettre sur mon visage. Ça fait des miracles. On dirait que le maquillage s'applique super bien, plus uniformément, je trouve. Et puis, je trouve vraiment que quand je l'utilise pas, je vois une grosse différence dans mon maquillage. J'ai toujours été relativement sceptique parce que je me dis, on dirait juste de l'eau dans une bouteille. Mais c'est définitivement pas ça. Ça fait vraiment une grosse différence dans mon maquillage. Du même que mon Revlon Photo Ready, qui est un après de perfection. Fait que c'est aussi un primer. C'est un primer comme une espèce de crème, je dirais quasiment comme une crème hydratante. Je viens appliquer ça sur mon visage en entier. Ça efface mes pores, où est-ce que ça a à les effacer, puis ça me donne un boost d'hydratation aux autres endroits. C'est vraiment magique. Des fois, je mets même pas de fond de teint, je vais juste venir appliquer ça, puis on dirait que ça embellit ma peau aussitôt. Ça fait des années que je l'utilise, et puis ça fait des années que c'est dans mes tops. Et le fait qu'il y ait une pompe, et puis qu'il soit très hygiénique, c'est toujours un plus aussi. Si vous voulez un bon primer tout en un, celui-ci est le meilleur. Côté fond de teint, je veux faire une autre vidéo complètement séparée sur les fonds de teint, mais celui qui a ressorti le plus pour ma part a été le Wet n Wild Photo Focus. Je l'ai dans la teinte Chamois Bisque. Fait que c'est un fond de teint qui est extrêmement bon pour tout ce qui est caméra, photo, vidéo. T'as l'impression que t'as comme un filtre sur la peau. Ça cache, c'est vraiment comme couvrance totale. Ça cache vraiment tout ce que ça a à cacher et puis ça donne vraiment un beau fini sur la peau. Il tient extrêmement longtemps. Des fois, j'ai même pas besoin de le fixer, même si j'ai la peau grasse dans certaines zones. Et puis, il va rester tout aussi beau, tout aussi intact. Fait que quand je veux un fond de teint qui va durer du matin au soir, qui va me donner un super beau fini, c'est définitivement celui pour lequel j'opte. Une palette contour que j'ai découvert cette année, si je me trompe pas, ouais, au début de l'année, que j'ai traîné toute l'année, c'est aussi de chez Wet n Wild, la Mega Glow, dans la teinte Dulce de Leche. Fait que c'est une palette comme ça ici, avec une teinte banane pour venir fixer le dessus des yeux, ainsi que la zone T, et puis une teinte un petit peu plus brunâtre pour venir faire du contour. Comme vous pouvez voir, celle pour laquelle j'opte le plus souvent est la teinte banane. C'est vraiment... c'est vraiment ce pourquoi j'aime le plus cette palette-là. Puis sans compter que c'est des produits de pharmacie, fait que c'est super abordable. Je pense que cette palette-ci est 4 ou 5$ si je ne m'abuse. Mon sixième produit est un bronzer, un vieux classique, le Oula de chez Benefit. Ça aussi, c'est un produit que j'ai abusé. J'adore ce produit-là. C'est un bronzer qui fonctionne pour moi autant quand je suis quand même relativement bronzée que quand je suis relativement pâle. Je peux venir faire du contour avec ça ou vraiment juste bronzer. Fait que c'est un produit qui est relativement multitasking, comme on dirait. Je trouve que c'est pas mal le bronzer que j'utilise le plus régulièrement, je vous dirais. Je trouve cette formule écœurante. Il tient super longtemps sur le visage. C'est vraiment une belle couleur, une belle formule. Tant qu'à moi, c'est pas pour rien que ce produit-là est sur le marché et populaire depuis aussi longtemps. Et j'ai un autre petit bronzer que
vous vous doutez probablement, qui est le Butter Bronzer de chez Physicians Formula. Lui aussi, c'est un bronzer que j'ai aimé pas mal, comme on peut le voir. J'ai le mien dans la teinte la plus pâle, qui est bronzer léger. Je sais qu'il y en a un autre foncé, peut-être deux, si je ne m'abuse. Mais encore une fois, j'adore ce bronzer-là. Peut-être plus quand je suis un petit peu plus pâle, quand je suis pas sultan. Cette couleur-là fonctionne à merveille. Puis ce que j'aime des deux bronzers, autant celui-là que le Oula, c'est que c'est pas des couleurs orange. Fait que ça donne pas l'air d'un Oompa Loompa ou bien d'une petite citrouille. Ça fait vraiment juste un beau bronze naturel, une belle teinte bronzée naturelle. Le fait qu'ils sentent aussi bon aussi, il est peut-être pour quelque chose. Mais j'ai adoré ces deux bronzers-là tout au long de l'année. Et puis, j'arrêterai pas de les utiliser dessus. Ensuite, encore dans le visage, cette fois-ci, une palette en fait de blush que j'adore particulièrement, qui vient de chez Style Essentials. C'est une palette que j'avais trouvée au Winners, mais à mon avis, là, elle doit se retrouver sur internet, pas mal certain. C'est la seule chose que j'utilise à peu près comme blush. Cette formule-là est vraiment bonne et j'adore le fait que tu as tout ce que tu peux avoir besoin dans une même palette. Tout le style de couleur, que ce soit un petit corail un petit peu plus léger ou des teintes un petit peu plus foncées, je les utilisais également en ombre à paupières, puis sans blague, ça faisait une aussi belle job. Par la suite, ma poudre translucide fétiche de cette année est la Marcel dans la teinte translucide. Vous savez, cette poudre-là, vous m'avez vu l'utiliser à maintes et maintes reprises et c'est pas pour rien. Je suis quasiment à la fin, il m'en reste à peine. Ça fait plus qu'un an que je l'ai facile et puis j'ai été capable de la toffer. Je peux baker avec ça sans que ma peau ait l'air sèche en dessous. T'en as besoin de vraiment pas tant beaucoup. C'est super beau pour venir soit fixer le visage en entier ou vraiment faire du baking comme je disais. Mon 10e produit est un produit que tout le monde a capoté quand il est sorti. C'est de chez Maybelline, c'est le Highlight Master Chrome. C'est une couleur or, c'est ce que je porte aujourd'hui. C'est un super beau highlighter, tant qu'à moi c'est un des meilleurs sur le marché de la pharmacie. C'est pas l'highlighter par exemple que je trouve qui dure le plus longtemps sur le visage, mais je suis prête à passer par-dessus ça tellement j'aime la couleur puis tellement j'aime le bam que ça fait. Je sais pas comment j'ai presque failli oublier de parler de ça. Mon cache-cerne, Tarte Shape Tape, je pense que c'est un must pour tout le monde. J'ai longtemps pas compris pourquoi il y avait un hype aussi intense, je me disais que c'était un petit peu difficile qu'il y ait un produit qui fasse rêver autant que ça, mais jusqu'à temps que je l'essaye et que je me rende compte que c'est extrêmement couvrance totale, rien de moins. J'ai rarement vu quelque chose aussi couvrant que ça. Et puis la gamme de couleurs qu'il y a là-dedans, il y a des couleurs un petit peu plus neutres, il y en a un petit peu plus orange, il y en a un petit peu plus olive, il y en a un petit peu plus pâle, pas trop rosé. Fait que c'est comme tout le mix parfait. Des fois, je viendrai même pas appliquer de fond de teint, c'est simplement ça que j'ai appliqué où j'en ai besoin. Et puis, ça me suffit pour la journée. T'as même pas besoin de le fixer sur le visage aussi, puis il va tenir en place toute la journée. Mon mascara préféré, j'ai hésité entre Maybelline Big Shot ou celui-là, Voluminous Paradise de chez L'Oréal, mais j'ai vraiment décidé d'y aller pour celui-là parce que le Big Shot, je l'ai aimé comme quelques mois au début, mais celui-là, c'est vraiment celui que j'aime le plus depuis le plus longtemps. Il rend mes cils super longs, il les sépare vraiment beaucoup. Le seul petit hic, je trouve que des fois, il a tendance à sécher relativement vite, fait que j'ai l'impression qu'il faut que j'en rachète un petit peu plus qu'avec un autre mascara. Mais encore une fois, je suis prête à passer par-dessus ça parce que j'adore la formule. Ça transfère pas sur mes cils inférieurs ou sur en dessous ici, là. Les produits à sourcils, j'en ai deux. Je pense que ça sera pas une surprise pour personne. Le Make Me Brow de chez Essence dans la teinte Blondie Brows. C'est un petit gel teinté au bout duquel il y a des petites fibres. Fait que quand tu viens mettre ça dans tes sourcils, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Ça vient remplir les espaces où est-ce que tu as peut-être moins de poils. Et ça vient vraiment mettre de la couleur. Fait que c'est merveilleux. À tous les jours, c'est le produit que je vais mettre. C'est quick, easy. Puis ça fait vraiment une belle job. Puis l'autre produit avec lequel parfois je vais venir compléter,
ça va être de chez BH Cosmetics, qui est le HD Brow Pencil. C'est un crayon à sourcils. Je l'adore parce que j'ai essayé celui-là d'Anastasia, j'ai essayé celui-là de chez Benefit et tout. Pour rapport qualité-prix, premièrement, je trouve que c'est vraiment le meilleur sur le marché. Il se trouve malheureusement juste sur Internet, mais ça vaut vraiment la peine d'en commander quelques-uns d'une shot, avoir shipping gratuit. Pourquoi j'aime ça autant que ça? Parce que c'est celui qui se rapproche le plus de ma couleur naturelle de sourcils. Fait que c'est ce qui fonctionne le mieux avec moi. Je trouvais que les autres, des fois, avaient tendance à être peut-être un petit peu trop orangé pour moi. C'est plus facile à remplir qu'avec une poudre, ça c'est définitif là. Mais les crayons, c'est vraiment le way to go, selon moi. Un fixatif de maquillage que j'ai découvert aussi cette année, celui de chez Urban Decay, le D-Slick. C'est vraiment rare que, quand je filme des vidéos, je vais faire un full face de maquillage. La plupart du temps, je vais aller avec quelque chose de relativement simple, léger. Mais à toutes les fois où je me maquille, c'est inévitable que je vais venir utiliser ce petit produit-là. Ça enlève tout résidu poudreux que je peux avoir sur le visage. Ça fait vraiment en sorte que mon maquillage tienne plus longtemps. Le plus longtemps qu'il pourrait tenir avec ça. J'avais une seule palette à vous parler parce que je trouve vraiment qu'il y a tout ce que je pourrais vouloir côté couleur là-dedans. C'est de chez Morphe, la 25B, qui est une palette, vous savez mes goûts, qui est une palette vraiment orangée, brune, toutes les teintes que je peux vouloir, mettre sur mes yeux pour à peu près tous les maquillages possibles. Je suis plutôt conventionnelle au type de mes maquillages, fait que je vais toujours pas mal dans les mêmes styles de teintes, vous le savez. Quel style je vais, un petit peu plus bold ou un petit peu plus naturel. Puis c'est également ce que j'amène quand je vais faire des maquillages sur d'autres personnes, puis ça fit sur tout et sur tout le monde. Et finalement, le dernier et non le moindre, un liquid lipstick de chez NYX. C'est le crème à lèvres douce et mat. Dans la teinte Abu Dhabi, c'est un nude, évidemment. Ça varie vraiment selon la couleur de la peau que j'ai du moment. C'est super confortable sur les lèvres, ça tient extrêmement longtemps. J'adore sa formule, c'est tellement confortable, ça glisse super bien sur les lèvres. Alors, c'est ce qui complète cette vidéo de produits favoris 2017. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, c'était quoi vos produits favoris de l'année. Peut-être que ça va nous en faire découvrir d'autres. Et puis, je vous remercie d'avoir écouté. Nous, on va se revoir jeudi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!